Rebonjour frères et sœurs, sixième partie de la série à l'école d'Israël. Rechercher la conduite de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut? Rechercher la conduite de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut? Nous le savons déjà, nous devons prendre la décision, chacun de nous, de suivre la direction de Dieu, de suivre uniquement ce que Dieu veut qu'on fasse, être aveugle à toute autre forme de direction. Mais rechercher la direction de Dieu, cela voudrait dire que Dieu voudrait certaines choses de notre part. Alors, qu'est-ce que Dieu veut effectivement de nous? Vous savez, frères et sœurs, David a rendu témoignage de comment Dieu est un bon conducteur, comment Dieu est un bon berger. Lorsque vous lisez le psaume 23, donc à partir du vers 1, dans la version Louis II, la Bible dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu a voulu être le berger et le conducteur de David. Et il a conduit de cet état ou bien de ce statut de petit berger, de jeune homme berger, au statut de roi du peuple de Dieu, au statut de roi d'Israël. Et durant toute cette période, c'est Dieu qui a été avec David, de la même manière que Dieu veut être avec nous. Lorsque nous sortons d'Égypte, de la même manière que le peuple d'Israël était sorti d'Égypte pour entrer à Cana, et lorsque nous nous mettons en route pour aller vers Cana, c'est Dieu qui nous doit nous conduire. Et Cana représente les promesses de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu avait conduit son peuple. C'est Dieu qui était avec son peuple dans le désert. Entre Égypte et Cana, de jour comme de nuit, Dieu était avec son peuple. Et je crois que Dieu veut être avec moi aussi. Il veut être avec toi aussi. Entre Égypte et Cana, entre ce que tu étais hier et l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie, entre ce que tu étais hier et l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie, Dieu veut être ton conducteur, Dieu veut être ton berger. Mais cela implique que Dieu veut certaines choses de nous. Si nous prenons la décision que Dieu doit être notre berger, cela implique que nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Cela implique que nous devons nous soumettre à ce que Dieu veut de nous. Et alors, cette question se pose, qu'est-ce que Dieu veut? Mais c'est très simple, Dieu veut te conduire à devenir ce qu'il veut que tu deviennes, mon frère, ma soeur. Et qu'est-ce que cela implique? Vous savez, frère et soeur, Dieu avait donné une prophétie à son peuple par la bouche de son prophète Michée. Une prophétie que l'évangile selon Matthieu rappelle. Lorsque vous lisez l'évangile selon Matthieu, le chapitre 2, le verset 6 de la version Semeur, la Bible dit: Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Dieu avait donné une prophétie à son peuple et disait: De Bethléem sortira quelqu'un qui va te conduire, mon peuple. De Bethléem sortira quelqu'un qui va être ton berger. Et cette personne, frères et sœurs, si vous connaissez l'histoire du peuple de Dieu, cette personne que Dieu avait promise venir de Bethléem n'est nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous amène au premier point que tu vas retenir aujourd'hui, c'est que Dieu veut que Jésus-Christ soit ton bon berger. Dieu veut que notre Seigneur Jésus-Christ soit ton bon berger, mon frère, ma sœur. Et donc, tu as une décision à prendre et une invitation à faire. La décision à prendre, c'est que je veux que Jésus-Christ soit mon bon berger. Et l'invitation à faire, c'est de dire à notre Seigneur Jésus-Christ, viens et sois mon bon berger. Parce que vous savez, frères et sœurs, nous sommes des brebis. Nous avons besoin d'être conduits. Je suis une brebis. J'ai besoin qu'on prenne soin de moi. J'ai besoin qu'on me nourrisse. J'ai besoin qu'on me protège. Je suis une brebis. Et la brebis doit être protégée. La brebis doit être conduite. La brebis doit être nourrie. La brebis doit être abreuvée par le berger. Et il n'y a nulle autre personne qui puisse se manifester, être meilleur bon berger que notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi lui-même il disait, lorsque vous lisez Jean le chapitre 10, du verset 11 au verset 15 dans la version Semeur, oui, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui.
dès qu'il voit venir le loup et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Le verset 13. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Le verset 14. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Verset 15. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Waouh! Amen! Considérez bien ce passage. Jésus-Christ n'était pas juste en train de dire « Je suis un berger ». Il n'était pas juste en train de dire « C'est moi qui conduis le troupeau ». Mais il disait « Je suis le bon berger ». Il peut y avoir plusieurs bergers, mais Jésus-Christ est le bon berger. Le bon berger, qu'est-ce que cela implique? Cela voudrait dire, frères et sœurs, qu'il n'y a pas meilleur que le Seigneur Jésus-Christ. Cela voudrait dire que le Seigneur Jésus-Christ est le compétent, le berger compétent, celui qui connaît mieux que nous n'importe qui d'autre, ce que ça implique être un berger. Et alors, si seulement tu peux lui faire confiance, si tu peux seulement te confier en lui, si tu peux seulement te confier ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais déçu. Tu te trouves maintenant dans une situation bien précise et tu te poses des questions. Je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que Dieu veut que Jésus-Christ soit ton bon berger. Veux-tu l'inviter maintenant à être ton bon berger dans cette situation bien précise où tu te trouves? Tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu ne sais pas si tu dois aller à gauche ou tu dois aller à droite. Tu ne sais pas si tu dois avancer ou si tu dois reculer. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, il montre la voie à suivre. Il y a une chose qui manque dans ta vie. Ou plutôt, il y a une personne qui manque dans ta vie. Oh mon frère, ma soeur, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Veux-tu aujourd'hui lui laisser tout le contrôle? Veux-tu aujourd'hui lui laisser le contrôle de toute ta vie? Tu ne seras pas déçu. Il est le bon berger, celui qui conduit sur la bonne voie, celui qui montre la bonne voie à suivre. Tu as une décision à prendre aujourd'hui. Prends la bonne décision, mon frère, ma soeur. Quelqu'un peut être en train de se dire, ah, moi j'ai accepté le Seigneur. Quelqu'un peut être en train de se dire, moi j'ai confié ma vie à Dieu. Et puis après, qu'est-ce qui se passe après? Vous savez ce que David a dit, vous connaissez le psaume 23, on l'a lu tout à l'heure. David a dit, Dieu, le bon berger, l'Éternel, qui est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça, c'est ce que le bon berger fait. Le bon berger, Jésus-Christ qui entre dans ta vie, Jésus-Christ à qui tu as confié ta vie, il te conduit dans de verts pâturages. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Qu'est-ce que cela voudrait dire, frères et sœurs? Cela voudrait dire que moi qui suis la brebis, l'Éternel des armées, par le Seigneur Jésus-Christ qui est le bon berger, il me conduit dans de verts pâturages. Le vert pâturage, c'est quoi, frères et sœurs? C'est une source de nourriture. Dans les verts pâturages, je me nourris. Dans les verts pâturages, je trouve une source pour rassasier ma faim. Et ici, nous ne parlons pas de la faim physique, il s'agit d'une question profondément spirituelle. Rappelle-toi, mon frère, ma soeur, lorsque le peuple d'Israël a fini de traverser la mer Rouge, ils ont eu soif, ils ont eu faim, Dieu leur a donné à manger, Dieu leur a donné à boire, mais Dieu a tout de suite décidé de faire quelque chose. La Bible dit, lorsque vous lisez Exode le chapitre 20, que Dieu leur avait donné des commandements. Dieu a tout de suite compris que ce dont le peuple avait plus besoin que n'importe quoi d'autre. Ce dont chacun de nous a plus besoin que n'importe quoi d'autre, c'est de la parole de Dieu, c'est des préceptes de Dieu, c'est du commandement de Dieu, c'est de ce que Dieu veut qu'on fasse. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse est contenu dans sa parole. Et donc, les verts pâturages, mon frère, ma soeur, constituent la parole dont Dieu veut que je me nourrisse. Et c'est la deuxième chose que tu vas retenir aujourd'hui. Dieu veut que tu te nourrisses de sa parole, mon frère, ma soeur. Le bon berger qui te conduit dans les verts pâturages, il te conduit dans les verts pâturages de sa parole, les verts pâturages de la parole de Dieu.
Dieu a donné la manne dans le désert. Dieu a donné l'eau à boire dans le désert. Dieu a donné la manne à manger à son peuple. Mais Dieu a voulu faire comprendre à son peuple qu'il n'y a aucune nourriture qui puisse être comparable à sa parole. Dieu avait voulu faire comprendre à son peuple que la nourriture suprême, ce sont ses commandements. La nourriture suprême, ce sont ses paroles. Et c'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui aussi, mon frère, ma soeur. Ton âme a besoin de se nourrir de la parole de ton Dieu. Et c'est pourquoi ton Dieu, le bon berger, il veut te conduire dans sa parole qui constitue pour toi les vrais pâturages. Et donc, mon frère, ma soeur, toi qui veux être conduit par Dieu, toi qui veux toujours demeurer dans la volonté de Dieu, une chose dont tu ne dois jamais te départir, c'est la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a ce que Dieu veut que tu fasses. Dans la parole de Dieu, il y a ce que Dieu demande de toi. Dans la parole de Dieu, il y a tout pour t'amener à prendre la bonne décision. Dans la parole de Dieu, il y a tout pour t'amener à faire le bon choix. Pas ce que les hommes pensent, pas ce que les hommes disent, pas la sagesse humaine, pas la connaissance humaine, mais uniquement la parole de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, mange dans le pâturage de la parole de Dieu, parce que c'est ce que ton Dieu veut de toi. Et donc, j'ai envie de te dire une chose. Toi qui te poses la question, qu'est-ce que je dois faire? Toi qui te poses la question, je veux faire la volonté de Dieu. Toi qui te dis, ah, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Toi qui te demandes, ah, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation bien précise? Prends la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Retourne-y. Oh oui, elle est vivante. Elle va te communiquer la volonté de Dieu et ton âme en sera rassasiée, mon frère, ma soeur. Voilà une bonne nouvelle pour toi, et c'est ce que ton Dieu, le bon berger, veut que tu fasses. Il te conduit dans les verts pâturages de sa parole, que ton esprit soit fortifié maintenant. Et s'il y a quelque chose dans ta vie qui fait en sorte que tu es toujours détourné de la parole de Dieu, je prie aujourd'hui et je demande que Dieu te fortifie au nom de Jésus-Christ. Sois fortifié, mon frère, ma soeur, et que tu sois rempli d'un amour sincère et profond pour la parole de l'Éternel. Éternel des armées, parce que ton âme en a besoin et ton Dieu veut que tu te nourrisses à sa parole. Sois fortifié au nom de Jésus-Christ. Rappelons-nous, frères et sœurs, lorsque Dieu avait donné les 10 commandements, il avait donné des commandements pour régler la relation entre lui et les hommes et pour régler la relation entre les hommes eux-mêmes. Discernement, prendre de bonnes décisions, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, tout est contenu dans la parole de ton Dieu. Dans le psaume 23, David disait aussi, lorsque vous lisez spécialement le 24 dans la version Louis II, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu qui se manifeste en bon berger au travers du Seigneur Jésus-Christ qui règne dans nos vies est avec nous à chaque instant. Il nous protège, il nous garde. Mais je voudrais te rappeler une chose aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas magique, ce n'est pas quelque chose de magique. Non, 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 mon frère. Si je veux m'assurer de la présence de Dieu avec moi lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, il faudrait que je fasse quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois faire, mon frère, ma soeur. Si tu veux effectivement t'assurer que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais, il y a absolument une attitude à avoir. Et cela nous amène au troisième point que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que Dieu veut que tu le consultes. Ah oui, Dieu veut qu'on le consulte, frères et sœurs, dans toutes les décisions que nous prenons, dans tout ce que nous faisons. Dieu veut qu'on le consulte. Bien souvent, nous tombons dans le piège d'aller de notre propre gré, d'aller de notre propre volonté, mais toujours on a en tête ce psaume de David. On dit, ah, l'Éternel est avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai rien à craindre, Dieu est avec moi. Alors qu'on n'a pas pris le temps au préalable de consulter Dieu
et de se demander, est-ce que c'est ce que Dieu veut que je fasse? La voie que je suis en train d'emprunter et où je dis, Dieu est avec moi, est-ce que Dieu veut effectivement que j'emprunte cette voie? On n'a pas pris le temps de consulter Dieu, de savoir ce qu'il veut qu'on fasse et on s'engage. Mais mon frère, ma soeur, ce que je viens te rappeler aujourd'hui, c'est que si tu veux t'assurer que l'Éternel est avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort et que tu n'as rien à craindre, il ne faut pas oublier de consulter Dieu dans tes voies. Il ne faut pas oublier de consulter Dieu pour toutes les décisions et les choix que tu fais pour ta vie. Vous lisez l'histoire du peuple d'Israël et vous découvrez que c'est ce que Moïse faisait toujours. Moïse, il consultait Dieu pour tout. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Où est-ce qu'on doit aller? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moïse consultait toujours Dieu et nous devons avoir la même attitude, frères et sœurs. Revenons à David. Et je voudrais nous faire considérer une histoire particulière. La Bible dit, lorsque vous lisez 1 Samuel, le chapitre 23, à partir du verset 1, de la version Louis II, on vint dire à David, voici, les Philistins ont attaqué Keila et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keila. Regardez ce qui se passe, frères et sœurs. On vient dire à David qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des Philistins qui viennent attaquer Keila. Et David ne s'est pas précipité de lui-même pour aller combattre les Philistins à Keila. Le même David avec qui Dieu était auparavant pour vaincre les Philistins, le même David avec qui Dieu était pour battre Goliath, il pouvait se lever et aller de lui-même. Mais il a dit non, avant que j'aille combattre les Philistins à Keila, il faut que je consulte Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? On doit avoir la même attitude, frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation précise où je me trouve? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation où je ne sais pas quoi faire? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? La Bible dit très bien, David consulta l'Éternel. Je relis le verset 2. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keila. Le verset 3 devient intéressant. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keila contre les troupes des Philistins? Le verset 4, David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keila, car je livre les Philistins entre tes mains. Le verset 5, David alla donc avec ses gens à Keila et il se battit avec les Philistins. Il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keila. Waouh! David consulte Dieu et Dieu lui dit, il faut y aller, moi je serai avec toi, tu vas avoir la victoire. Mais la Bible dit aussi que l'entourage de David n'était pas d'accord. Il arrive des temps où Dieu nous dit de faire quelque chose, mais les gens tout autour de nous, eux, ils n'ont pas reçu la même révélation que nous. Les gens tout autour de nous, ce n'est pas à eux que Dieu a communiqué sa volonté. Toi, tu as pris soin de consulter Dieu. Tu as très bien fait et Dieu t'a montré la voie à suivre. Mais les gens tout autour de toi, quand tu leur partages ce que Dieu veut que tu fasses, ils se disent, non, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun bon sens, on ne peut pas faire ce que tu veux. Mon frère, ma soeur, tu dois faire comme David. David n'a pas écouté ce que les gens tout autour de lui ont dit. Les gens ont voulu le décourager. Les gens ont voulu lui dire, non, ce que tu es en train de dire n'a aucun sens. Mais il s'est tenu à ce que Dieu lui avait dit. Mon frère, ma soeur, nous devons apprendre à nous tenir à ce que Dieu nous a dit au lieu de ce que les hommes pensent. Même si ce que Dieu dit est contraire à ce que les hommes pensent, allons-y avec ce que Dieu nous dit. Même si ce que Dieu dit semble être folie, allons-y avec ce que Dieu nous dit. Parce que ce que Dieu nous dit est ce que nous devons faire. Dieu veut que tu le consultes et Dieu veut que tu fasses ce qu'il te dit contre la vie des hommes.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, frères et sœurs. La Bible dit que Saül va apprendre que David est à Keila et il va s'engager à aller combattre David à Keila et le tuer. Et David a été mis au courant. Alors, il se retourne encore vers Dieu. Vous savez, bien souvent, frères et sœurs, on se base sur les expériences d'hier. On se dit, Dieu a fait quelque chose de telle manière. Aujourd'hui, si je me retrouve dans la même situation, c'est que Dieu va le faire de la même manière. Mais ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Et c'est ce que nous découvrons avec l'histoire de David. Nous continuons avec l'histoire et la Bible dit dans 2 Samuel, le chapitre 23, à partir du verset 11, les habitants de Keila me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? L'Éternel, Dieu d'Israël, daigne révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David était en train de consulter encore une fois Dieu. Seigneur, est-ce que je dois demeurer ici et combattre Saül qui vient pour me chercher? Ou alors, est-ce que je dois quitter ici? David a encore pris soin de consulter Dieu et Dieu lui a répondu souvent ce qu'on vient de lire. Dieu lui a dit, Saül va venir te chercher. Fais attention à toi. Et nous continuons l'histoire. Le verset 12. David dit encore, les habitants de Keila me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors, David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keila et s'en allèrent où ils purent. Saül informait que David s'était sauvé de Keila, suspendit sa marche. Amen. Hier, Dieu a été avec David et il a délivré contre les Philistins à Keila. Mais là, David pose encore la question à Dieu. Est-ce que je dois rester ici et combattre? Tu as été avec moi hier. Est-ce que je vais encore avoir la victoire aujourd'hui? Et Dieu lui a dit, non, 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 ne reste pas ici. Quitte ce lieu. Vous savez, bien souvent, nous nous reposons sur les expériences d'hier et nous oublions de consulter Dieu. Dieu a opéré d'une manière hier et Dieu peut opérer d'une autre manière aujourd'hui. Prenons toujours cette habitude, frères et sœurs. Ayons toujours ce réflexe de consulter Dieu. Ne nous basons pas sur nos propres impressions. Ne nous basons pas sur nos propres expériences et demandons toujours à notre Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À une première occasion, David a demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu lui a dit, fais telle chose. Et contre la vie des hommes, David a fait ce que Dieu a voulu qu'il fasse. À une deuxième occasion, il pose encore la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et cette fois-ci, Dieu lui dit quelque chose de contraire à ce qu'il lui avait dit premièrement. Frères et sœurs, ayons cette habitude de toujours consulter Dieu en toute occasion. Dieu veut que tu le consultes, mon frère. Tu te retrouves actuellement dans une situation où tu ne sais pas quoi faire. Consulte Dieu. Tu te retrouves dans une situation où tu te poses des questions. Que dois-je faire, ma sœur? Consulte Dieu, fais comme David et l'Esprit de Dieu en toi, oui, Dieu te parlera au travers de lui et te communiquera la voie à suivre au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons chacun de nous une décision à prendre, la décision de rechercher la conduite de Dieu pour toute notre vie, parce que c'est lorsque nous sommes conduits par Dieu que le plan de Dieu s'accomplit dans nos vies, que nous entrons dans les promesses de notre Dieu pour notre vie. Il faut absolument refuser de suivre sa propre direction. Il faut absolument refuser de suivre la direction des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Il faut absolument refuser de suivre la direction de la philosophie, de la sagesse et des courants de ce monde et décider que Jésus-Christ soit le maître de notre vie, nous laisser conduire par notre Seigneur Jésus-Christ qui est le bon berger. Et alors, frères et sœurs, nous pourrons effectivement être conduits par Dieu. Et n'oublions pas, frères et sœurs, de nous nourrir à la parole de Dieu. La parole de Dieu contient, oui, la volonté de notre Dieu. Ce que Dieu veut que tu fasses est contenu dans sa parole. Et n'oublie pas toujours de consulter ton Dieu. Lorsque tu te retrouves dans une situation, tu ne sais pas quoi faire, consulte ton Dieu. Il a parlé dans le passé, il
parle encore aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, éternel des armées. Tu veux nous conduire, tu veux être notre berger. Nous avons compris, Seigneur, oui, que nous devons rechercher et nous devons suivre ta conduite. Voilà quelle est notre décision aujourd'hui, te rechercher et suivre ta conduite. Sois le maître de notre vie, Seigneur. Sois le maître de notre vie, mon Dieu, mon roi. Sois le maître de la vie d'un frère. Sois le maître de la vie d'une sœur. Sois le maître dans nos familles, Seigneur. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Matin, midi, soir, à chaque occasion, Seigneur, être conduit par toi. Oh, non pas notre propre volonté, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Et ce que tu veux est contenu dans ta parole. Et ton esprit nous révèle ce que tu veux au travers de ta parole, Seigneur. Je prie, je demande que quelqu'un reçoive cet amour de la parole. Je prie, je demande que quelqu'un soit, oui, hardi à toujours manger, se nourrir à la parole de notre Dieu. Oui, Seigneur, il en est ainsi maintenant pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous la force d'aller dans le sens de ta volonté, contre vents et marées, d'aller dans le sens de ta volonté, même si c'est contraire à ce que les hommes pensent. Donne-nous la force, parce que notre désir, c'est de te plaire. Notre désir, c'est de marcher avec toi. Et alors, nous aurons la victoire. Et alors, tes promesses s'accompliront dans nos vies. Et alors, Seigneur, ton plan merveilleux pour nos vies deviendra une réalité. Il en est ainsi pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quelqu'un s'était égaré de toi. Quelqu'un avait pris une mauvaise voie. Nous sommes de retour, Seigneur. On est de retour avec cette décision de rechercher ta volonté, de suivre ta conduite, de marcher avec toi en toute occasion. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sois béni et fortifié, mon frère, ma sœur. Recherche la conduite de ton Dieu en toute occasion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as été édifié et béni par ce temps d'exhortation, n'hésite pas à partager la vidéo avec quelqu'un. Mets un commentaire, aime-la et n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, d'aimer la page Facebook, active les notifications pour ne rien manquer de nos publications. La grâce de notre Dieu surabonde sur chacun de nous. Et si le Seigneur tarde à revenir, on se retrouve très bientôt. Amen, amen. Bye, bye.